Deux heures de surprise déjantée. De 21h à 23h. Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show. Le jus d'ananas rendrait les parties intimes des femmes bien plus sucrées. Eh ben autant vous dire que c'est la bonne réponse. Bravo. D'accord. Alors Charlotte, on attend des explications. C'est pas parce que c'est une vérité que je le fais forcément, mais oui, c'est vrai que je conseille aux femmes de ne pas manger, même aux hommes en fait. En fait, c'est une question de sécrétion. Docteur, mais docteur Manura, bonjour. En fait, la tomate donne mauvaise haleine, fait transpirer, ça fait sentir mauvais. Ouais. Donc forcément, les sécrétions, ça concerne aussi le minou. D'accord, et voilà. Votre zizi, messieurs. Et donc, ça concerne aussi le sperme et les sécrétions féminines. En revanche, l'ananas fait sentir très bon, de la salive et aussi des parties intimes. Voilà. C'est pour ça. Mais même pour messieurs, hein. C'est pas que pour les femmes. C'est pratique. Tête plongeante, tu comprends? Il y avait une. C'est pratique pour les têtes plongeantes, en fait. Pour les têtes plongeantes. Ah oui, c'est pratique. Tu vois. Mais attends, tu sais pas, je suis allé bouffer vendredi soir chez Charlotte, c'était salade d'ananas. J'avais pas compris pourquoi. Ah, mais à mon avis, c'est qu'après, voilà, il y a les festivités. Moi, j'ai un truc que je comprends pas, en fait. Dis-moi, tout à l'heure, c'est vrai que Charlotte est très très jolie. Ouais. Il y a Mouni qui est très belle quand même. Mouni, c'est une bombe atomique. Alors, attends, je dis mais justement, t'as mal choisi. Là, t'as mal choisi, Jessie. Jessie, tu trouves que Mouni, elle est très charmante? Ah, mais oui, grave. Est-ce que t'aimerais qu'elle te fasse une déclaration là comme ça? Ah, bah franchement, drague-moi. Bon, calmez-vous, les garçons. Alors, bonsoir, Jessie. Bonsoir, Mouni. Vois-tu. Alors, c'est la première fois qu'on se rencontre. Voilà. Je t'ai déjà vu auparavant. Oui. Moi, par contre, j'utilise pas la même méthode que Alborz. Moi, j'ai une autre méthode. Je te pose des questions. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur toi. D'accord. Alors, dis-moi. Oui. T'es plutôt brune ou blonde? Je suis plutôt Mouni. Ouais. Salut, je vais rougir, là. C'est gagné d'avance, là. Alors, pour un premier rendez-vous, où est-ce que tu m'inviterais pour un premier rendez-vous? Ouh là là. Non, mais dis-moi. Où tu veux, mais Georges V. Non, je veux savoir. Dis-moi. Ça dépend. Maison de la literie. Où on l'a fait old school, on l'a fait new school, tu vois. C'est quoi? Old school, c'est KFC, tu vois. Mais new school, c'est... Je sais pas, ça dépend, je dirais. Ça dépend de ce que t'aimes, en fait. Est-ce que j'ai une tête à aller au KFC pour non. Du tout. Franchement. Ça dépend, il y en a qui peuvent aimer, tu vois. Non, pas moi. En tout cas, je sais que ça dépend de ce que tu aimes, en fait. C'est pas forcément aller manger, tu vois. Ça pourrait être, je sais pas, t'emmener voir une pièce de théâtre ou aller voir, tu vois. Et ensuite, ben, on irait... Toi, tu vas au théâtre, fous-toi de ma gueule. Non, mais plus... Jessie va au théâtre. Et il lit des livres. Hein. Et il lit des livres. Et puis, il lit Baudelaire et Zola et compagnie. Et puis, on pourrait aller boire un verre, je sais pas moi, quelque part, sur les Champs-Élysées ou un endroit très sympathique. Et dans la loge de Radio Bell. Qu'est-ce qu'il en pense, le Jessie? Non, pas au premier rendez-vous, tu sais. Oh là, c'est beau. Ça, c'est bien, ça. Déjà, t'as gagné un point. On continue, maman. Et sache que je suis très frileuse. Si j'ai froid, comment tu me réchauffes? Non, pas avec ça. Oh là là. Non, mais j'ai mon écharpe. D'accord, je prends ton écharpe déjà. Et ensuite, si j'ai encore plus froid. Elle a mon odeur. Ça... Vas-y, tu veux sentir. Oh là là. Ah, ça sent bon. Hein. C'est important, t'adhères à l'odeur, t'adhères. Ah ouais, j'adore. Par ananas, contre, ça sent l'ananas. Ananas. cette histoire d'ananas. Ce sont... Par contre, il y a une petite question qui est entre parenthèses. Il y a écrit « j'ose pas ». Dis-moi. Et là, c'est musique de suspense. Mais faut que ce soit elle qui le dise, c'est pas si non, c'est non, pas, mais c'est pas là, elle peut je pas. Je l'ai mis entre parenthèses. Elle l'a mis entre parenthèses. Musique de suspense. Jessie. Oui. Imagine que c'est Mouni. Oui. Je vais me mettre derrière elle. Mmh. Elle, elle va te poser une question, elle va te faire la voix avec ses lèvres. Ok. Jessie. Oui. Tu mesures combien? 1m84. Ah ouais, en fait. C'est mal dit. Jessie, on s'est pas compris. Oui. Tu je pense que t'as pas compris le sens de la question. Ah voilà, alors je laisse reprendre le relais. Dis-moi. D'accord, dis-le-moi. C'est un triangle isocèle, le mec, il fait 1m80. Redis-le-moi. Combien tu mesures? Comment je mesure? C'est incroyable cette question quand même. Charlotte, elle est jeune. En plateau comme ça, normal. Je sais pas si t'as une règle, tu prends. Tu vois le toit du micro là? Non, moi je mesure pas, c'est à vue d'œil. Ah bah. Ah, à vue d'œil. Ah, il en peut plus là-bas. C'est énorme, en tout cas, merci.